Ici Latorian titubait dans les ruelles de Vert-de-Gris lorsqu'elle se souvint de son nom. Des souvenirs épars revinrent par à-coup. Chacun tel une lance qui frappait un sol imbibé de sang. Elle s'était écroulée. Elle avait vu arriver la chasse des Sylvanettes. Non, c'était arrivé en premier. Elle s'était réveillée seule dans le bastion, elle. Elle entendait encore les corps. Ils résonnaient au-delà des murs écroulés. Ils faisaient frémir les arbres. Ils étaient si implacables que Thorian ne se souvenait pas d'être sorti en chancelant de ces quartiers, ni que son corps s'était couvert de chair écorce qui craquait à chaque pas. L'idée que Ghiran voulait s'emparer d'elle, corps et âme, n'avait pas fait chemin dans son esprit embrumé. Thorian était encore assez consciente pour s'étonner que personne ne l'ait trouvée. Quelque chose l'attira loin des éophores qui étaient agenouillés pour prier devant les statues érigées à l'aide de lianes, qui travaillaient à réparer les habitations envahies par une épaisse mousse d'apparence comestible. Le passage de Beltanos et de sa chasse chargée de magie avait accéléré la renaissance de Vert-de-Gris. Thorian sentit un écho émouvant tandis que Ghiran lui-même cherchait à soigner la cité ainsi que ses défenseurs. Quelque part, un drapeau avait été hissé sous des cieux noirs et une trompette résonnait, funèbre mais indomptable. Ce n'était pas la victoire triomphale dont tout le monde avait rêvé, mais c'était tout de même une victoire. Pendant un moment, Thorian sentit qu'elle devait aider les travaux de son peuple avec sa magie. Puis, le corps retentit de nouveau. Elle était perplexe en voyant que personne d'autre ne semblait l'entendre ni ne voyait le monde à travers le même brouillard vert vif qu'elle percevait. Mais cela n'avait pas d'importance. Le seigneur de la chasse réclamait sa présence. Elle avait encore un devoir à accomplir. Et Issylla Thorian était femme à respecter son devoir. Tandis qu'Issylla titubait, vers les portes brisées, la lumière de l'astre Cournalune la baigna et fit apparaître dans son ombre les bois qui se dressaient sur son front, avant qu'elle passe de nouveau dans l'obscurité. Tu as survécu. Il n'y avait ni estime, ni mépris dans la voix du spectre qu'Arcaon manifestait dans le temple de l'Ourphénix. Abraxaya montra les dents, tandis qu'au pied de son trône dentelé, le Thanatorgue levait la tête et grognait. La grande sénéchale avait installé son siège dans la fosse où la flamme divine brûlait naguère, et elle avait méthodiquement massacré les symboles de pouvoir du temple. Elle resserra sa prise sur Gorbolga. De la vapeur s'élevait du métal. Arracher la flamme du phénix de la chair mortelle et la dévorer était un calvaire, confirma Abraxaya en passant sa langue sur ses dents aiguisées. Des braises dégoulinèrent de ses lèvres. C'est encore douloureux, mais la folie a été consumée. Où cela l'a rallumé, commenta l'élu éternel. La vision à trois yeux se dissipa avant de réapparaître à côté d'un des vitraux brisés du temple. Abraxaya se leva, et chacun de ses pas laissa derrière elle une marque de brûlure sur la pierre, tandis qu'elle se rapprochait de son seigneur. Non loin, des rats levèrent la tête, des os d'elfes qu'ils rongeaient, et sifflèrent avant de décamper. Abraxaya prit la peine d'en écraser un par mépris. Ils étaient arrivés en nombre incalculable depuis la chute de la cité.
Les épées ont déjà baptisé la citadelle Noir Bûcher, annonça l'élu éternel, alors qu'Abraxaïa le rejoignait. Dans la cité en contrebas, les statues d'anciens héros elfes avaient été abattues, tandis que les remparts aux créneaux pointus étaient taillés dans de l'ambre noir. Des centaines de corps étaient empalés dessus. Archaon grogna quelque chose qui ressemblait à une approbation. Une forteresse convenable à partir de laquelle réduire l'éternel renouveau en cendres. « Elle suffira, » répondit Abraxaïa. Ses yeux, qui étaient désormais des orbes de flammes rageuses, se tournèrent vers les nuages qui formaient des visages grimaçants et des griffes cruelles. « Vous avez fait quelque chose. Les choses ont changé. Les vents de la ruine soufflent sur les terres plus violemment que jamais, et ils font sortir la vermine de ses trous. Ils soufflent sur les bastions des Unberogen. » La voix de l'élu éternel se mua en grognement avant qu'il maîtrise sa colère. Ses trois terribles yeux se posèrent sur Abraxaïa. Il lui semblait qu'il luisait d'une voracité renouvelée. Malgré elle, la grande sénéchale sourit. « Ils vont tout renverser, » poursuivit Archaon. « Ne te soucie pas de mes intentions, grande sénéchale, ni de ce dont j'ai besoin pour les mener à bien. Concentre-toi sur les conquêtes à venir. » Les corbeaux, Ionus. Les corbeaux volent au-dessus de moi. Ionus Cryptborn n'avait pas eu grand-chose à récupérer sur le champ de bataille. L'écroulement des montagnes et le déferlement d'énergie pyroclastique mutagène avaient annihilé les éternels comme les guerriers du rat de sang. Vandus Hammerhand semblait trop dément pour se rendre compte qu'il devait être mort. Posé en travers de la selle de Thorak, le seigneur Célestan était resté inconscient jusqu'à ce que Ionus fasse descendre de sa monture vers la tour noire qui se dressait sur les collines. C'est alors qu'il s'était réveillé et qu'il avait commencé à hurler. « Silence, Vandus !» le coupa Ionus. Sa voix était un murmure presque inaudible dans le chant funèbre d'acolytes voilés de ténèbres qui emplissaient la tour, tandis qu'il traînait son ancien commandant dans l'étroit corridor. « Silence !» Tu as dépassé l'œil de l'orage. Rien ne pourra changer ce fait. » Pendant de précieux instants, le seigneur Célestan se calma. Puis, dans une frénésie soudaine, Vandus se mit à sangloter et à crier en tirant le bras d'Ionus. Le gardien tendit ses muscles et continua de traîner Vandus vers la porte béante d'une cellule au bout du couloir. Tout le long, Vandus hurlait. L'homme de foudre, il vient réduire mon âme en cendres, vidée, remplie de sa tempête aveuglante, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que des monolithes, jumeaux du châtiment et de la loi. Ionus jeta Vandus dans la cellule, tandis qu'une énergie fulminante sortait des yeux et de la bouche du seigneur Célestan. D'une poussée grinçante, il referma la porte de fer. Elle claqua dans un écho funèbre, mais il ne la verrouilla pas. Ce n'était pas dans ses habitudes. À bout de souffle, Ionus regarda la lumière filtrée entre les fissures entourant la porte. Le seigneur Relictor résista à l'envie de s'écrouler de lassitude, mais il ne put s'empêcher de poser la main sur le métal et de soupirer. « Il n'est peut-être pas trop tard pour moi, mon vieil ami, » dit Ionus. Lentement, ses doigts se resserrèrent en un point. « Le savais-tu, mon dieu roi ? Savais-tu ce qui nous attendait ? Là, l'as-tu jugé nécessaire ?» Ionus recula d'un pas et se laissa bercer par les chants funèbres. Il leva les yeux. Des centaines d'autres cellules criblaient les murs noirs, toutes identiques à celles de Vandus.
Derrière les portes de certaines d'entre elles, la foudre crépitait. Oui ? Alors, qu'il en soit ainsi. Voilà qui conclut la lecture et en fait de l'intégralité des croisades et euphores avec ce dernier livre. Nous allons regarder maintenant les figurines. J'espère que cette lecture vous a plu autant qu'à moi. Elle annonce l'arrivée de la version 4 de Age of Sigmar. Bien sûr, nous lirons le livre de base et toute la cosmogonie de Age of Sigmar version 4. Le livre a l'air d'avoir été refait en intégralité, donc nous nous plongerons dessus. Le rendez-vous reste le même, bien sûr, tous les jours à midi sur la chaîne. On voit ici Abraxaya, Gunnar Brand, Tsingri Brand, Dendrel, Tanari et Nadja. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et surtout à partager auprès de vos forums préférés, vos amis, vos clubs qui ne connaissent pas la chaîne, puisqu'on est un peu les seuls ici sur cette chaîne à faire ce travail de lecture, donc ça peut intéresser certains passionnés de Warhammer. Tandis qu'Abraxaya et ses guerriers de la Varangarde passent le phoenicium au fil de l'épée, il incombe aux défenseurs elfes de la cité de résister. Cependant, l'étreinte du chaos est déjà étroitement resserrée sur le bastion agonisant. Dans la tombe du phoenicium, le noir bûcher se lèvera. Et voilà, ensuite c'est les règles que l'on ne va pas lire. J'espère que cette lecture vous a plu. Superbe livre avec Abraxaya en couverture. Livre 6, Les chiens du chaos. On se retrouve bien sûr demain. Demain, nous allons continuer la lecture du livre Warhammer The Old World que nous avions commencé avant que je reçoive ce livre-là. Tous les jours à midi sur la chaîne. Et puis, à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!